السلام عليكم. دونك بالنسبه دائما في الدرس ديال لي نومبر كومبلكس، دونك قبل ما غادي نشوفوا لا ديرنيير بارتي ديال لي ترانسفورماسيون، فادير ليكريتور كومبلكس في لي ترانسفورماسيون كيف قلت لكم في لا ديرنيير فيديو. دونك غادي نشوفوا دابور نشوفوا هاد لا بارتي هادي، هي ما فيهاش بزاف ولكن ضروري خصنا نشوفوا هاد لا بارتي ديال لا نوتاسيون اكسبونونسييل دان نوم كومبلكس نون نول. دونك جي بيزوان دان نوم كومبلكس، دونك غنقولو سوا زيد ابارتيان ا سي اتوال، ان نوم كومبلكس نون نول. دونك غنقولو بوزون زيد هو ار تيتا. هادي سي ليكريتور تريغونوميتريك كيف شفناها في لي بارتي بريسيدونت، افيك هاد ار لي هو لو مودول دو زيد، اي لارغيمون دو زيد الي كونغرو ا تيتا مودولو دو بي. كنكتبو زيت إيكال إر إكسبونونسييل إي تيتا. دونك هاد لا نوطاسيون هادي، هاد لا نوطاسيون هادي، هادي كتسمى سي نوطاسيون exponentielle de z. Ou là, quand on se met à forme exponentielle de z. Et on a avec tout z, li houa est la forme trigonométrique. Li hiya en même temps ghandiro r exponentiel i theta, ou li hiya ghatouli r cosinus theta plus i sinus theta. Alors maintenant on va chauffer les règles de calcul. بالنسبة لهاد لي نوطاسيون، بالنسبة لهاد لا نوطاسيون اكسبونونسييل، غنقولو جي بوزوان، غنقولو سوا زد ابارتيان ا سي اتوال، زد بريم ابارتيان ا سي اتوال. غنقولو هنايا بوزون z est égal à r exponentielle theta, il y a l'écriture exponentielle, et z prime c'est r prime exponentielle i theta prime. Alors angle z fois z prime, donc à z fois z prime, donc il y a r prime exponentielle i theta plus theta prime. Hadi vient du fait que li kanhadrou ala le module, kanqoulou le module de z fois z prime, donc on voit le module de z fois le module de z prime, donc c'est r fois r prime. Ou kanqoulou tani ala l'argument diel z z prime, dina il est congru à l'argument de z plus l'argument de z prime modulo de pi, donc il est congru à theta plus theta prime modulo de pi. Donc finalement à z fois z prime, hein, donc le module dielle ou r r prime ou l'argument dielle ou theta plus theta prime, d'où quand vous l'avez dit l'écriture si vous voulez, donc comme tu vois il y a r r prime l'écriture trigonométrique. ثانيا غادي نشوفو
Deuxièmement, allez, je vous fais z sur z prime. Alors z sur z, z prime, donc ce n'est autre que r sur r prime exponentielle i theta moins theta prime. Donc la même chose, on a un niveau tani, l'écriture trigonométrique r sur r prime theta moins theta prime. Maintenant, quand même, je vous tenais, troisièmement, de la méthode 1 sur z. Donc, 1 sur z, c'est 1 sur r, normalement, d'écriture trigonométrique, ou là, je préfère dire d'écriture exponentielle. Donc, on dit 1 sur r exponentielle moins i theta. Donc, là, on a une écriture trigonométrique, donc il y a 1 sur r moins theta. Ah, si vous vous rappelez bien, l'argument est 1 sur z, il est congru à moins l'argument de z, modulo 2pi. On a le module de 1 sur z, donc 1 sur le module de z, donc c'est 1 sur r. Donc, on a le module, on a l'argument. Donc, d'où l'écriture trigonométrique, là, l'écriture exponentielle. Alors, on va voir l'argument d'IL, plutôt on va voir Z bar. Alors, Z bar, il y a R exponentielle moins I theta. Donc, il y a R moins theta. Si vous vous rappelez bien, donc le module de z bar, le module de z, donc c'est r. Oubliez l'argument de z bar, il est congru à moins l'argument de z modulo 2pi. Si vous vous rappelez bien, on a tracé un graphique, donc on dit c'est u. On dit c'est V, on dit le point M, on a d'affixe Z. Donc on a dit c'est X, on a c'est Y. Donc on dit Z bar, on a dit Z bar, on dit qu'on a X, on dit qu'on a X. Donc on dit moins Y. Alors moins Y, donc on a dit donc c'est M prime. Z bar. Donc, on dit l'angle, c'est l'argument de Z, il a mis la matière theta. Donc, là, ce qu'on dit, c'est moins theta. Donc, je dis là, l'argument de Z bar, il est congru à moins l'argument de Z, modulo 2pi, et par la suite, on dit l'écriture. Ensuite, on dit, moins Z. Alors moins z, on dit c'est moins z. Alors moins z, il y a c'est moins r exponentielle i theta, on a dit z. Donc on dit c'est r exponentielle i theta plus pi. Donc on dit c'est, donc ce bras, on a r theta plus pi. Donc je suis bien sûr que je donne, donc je donne. نفس الشكل إذا بقيتو عقلتو درنا لو روبير هو هذا وخدينا أن نومبر زد اللي هو أن بوان إم دافيكس زد دونك قلنا هنا قلنا هنا سي إكس وقلنا هنا سي إيكغيك دونك عندي هنايا عندي هنا سي موان إكس وعندي هنا سي موان إيكغيك. Donc finalement, Adi a tapé le point M prime d'affixe moins Z. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire le point M, mais le point M prime sont symétriques par rapport au centre. Donc, Adi a c'est l'argument de Z. Donc, on a tout l'indien à θ. Ou on a, bien sûr, on a tout l'indien à θ plus pi. Donc, chez les gens, on dit le module de moins Z.
module de moins z, je n'ai pas. C'est le module de z est égal à r. Donc, on dit r, le module de r, ou on dit l'argument, θ plus π. Donc, on dit moins z est égal à moins r exponentielle θ plus r exponentielle i θ plus π. Donc, باش نكملو, غادي نشوفو تاني واحد دو فورمول, غادي نهضرو على فورمول. Formule de Moivre. Alors, formule de Moivre. Formule de Moivre. Alors, à nouveau, quel que soit θ, quel que soit θ, bon, à partir de R, quel que soit N à partir à N, on dit exponentielle iθ. Le tout à la puissance n est égal à exponentielle i n theta. Donc tu vois, tu peux être la façon. Donc c'est pour cosinus theta plus i sinus theta. Le tout à la puissance n, à ta trini, il y a cosinus de n theta plus i sinus de n theta. C'est-à-dire la formule de Moivre. Bien sûr, elle vient du fait que, parce que nous avons là, alors la dina z est égal à exponentielle de theta. Donc elle dit bien sûr, il y a 1 theta. Donc nous avons dit z à la puissance n. Donc elle dit à tout le monde, il y a, exponentielle de theta, le tout à la puissance n. Si vous vous rappelez bien, il y a le module de z à la puissance n. On a le module de z, le tout à la puissance n. Le module de z, c'est 1. Donc c'est 1 à la puissance n, donc c'est 1. On dit, on a l'argument de z à la puissance n. Il est congru à n fois l'argument de z, modulo de pi. Donc on dit, il est congru à n. Theta modulo de pi. Donc finalement, on a l'argument dialo, on a le module dialo 1. Donc, à ta fini, z à la puissance n, il y a 1 n theta. Donc l'écriture exponentielle, il y a exponentielle i n theta. Alors, je vous ai dit formule de l'ordre. Formule de l'ordre. Alors, formule de l'ordre, je l'ai dit. Quel que soit x appartient à R, on dit deux choses. On dit cosinus x égale à exponentielle x plus exponentielle moins x. Sur 2, ou on dit sinus x, il y a exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. Donc, les formules, on va les utiliser, Inch'Allah, dans le calcul intégral, ce qu'on appelle la linéarisation. Pour procéder au calcul intégral. Donc, on va voir l'ingé de Hadi, qui va jouer Hadi, donc on a exponentielle ix à Chenaïa, c'est cosinus x plus i sinus x. Alors, tu vois, on a Hadi, c'est l'écriture exponentielle, donc il y a 1x. وعندي دونك بالنسبة لهذه عندي لو كونجوغي ديالها هي اكسبونسيال موان اكس اللي شفناها دابا دونك قلنا هي كوسينوس اكس موان اي سينوس اكس دونك هذه غتولي هي 1 موان اكس دونك شنو عندي هذه وعندي هذه دونك جو في لا سوم دونك امبلي كو دو كوسينوس اكس ايكالا اكسبونسيال اي اكس بلس اكسبونسيال موان x ou on dit
Si je fais la différence, donc à Zatini, 2i sinus x est égal à exponentielle x moins exponentielle moins x, ce qui implique que cosinus x est égal à exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, ou andy sinus x est égal à exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2i. Alors, et pour finir, je vous propose un exercice. Donc, on pose petit a égale à racine de 3 plus i sur 1 plus i racine de 3 et petit b égale à 6 moins 4i sur 5 plus i. Écrire a et b sous forme exponentielle. Donc, merci. Donc, pour la vidéo prochaine, Inch'Allah, غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديال هذا ليكزيرسيس هذا ومن بعد غادي نكملوا لا ديرنيير بارتي اللي هي لي ترانسفورماسيون يوزويل نشوفوا لي لي اكسبرسيون كومبلكس ديال لي ترانسفورماسيون يوزويل بما فيهم لا ترانسلاسيون لو موتيسي اي لا روتاسيون بون دونك بالنسبه لهذا الفيديو الى عجبكم هذا الفيديو هذا بارتاجيو مع لي كوليك ديالكم باش تعم الفائدة وشكرا.